assez déjà, puis ils sont trois, on va en mettre trois là. C'est près de, du palais d'Élysée. Elle habite un quartier chic. Ah, ah, Thierry C'était un sans doute. Allô, oui. Oui, c'est Monsieur Nico Saliaga, c'est Monsieur Foucault. Oui, au quatrième étage, messieurs. Merci beaucoup. Merci. Bonjour, bonsoir. Bonsoir. Oh là, c'est super. Ça, si vous voulez me confier. Quelle table. Très, très beau. Me donner votre vestiaire. Avec les encens et tout. Merci. C'est très, très beau. Je vais vous donner le... Ah oui, l'encens, tout ça. C'est bien. Ah. C'est très, très beau. Une belle couleur. Ça une grande classe, quand même. Duty free de l'aéroport. Ça va avec tout. C'est très très bien décoré. Messieurs, si vous voulez me suivre, je vais vous servir l'apéritif à la cuisine. Merci. Ça, j'aime bien ça. T'as vu ? C'est énorme. Pardon, messieurs. Ça aussi, je me souviens quand j'étais président de la République. Putain, Ringo Starr. Belle cuisine. Bonsoir. Ça sent bon, hein. Je sais pas ce qu'on va manger, mais... Qu'est-ce qu'on va manger ? Merci. Vous préparez des surprises, ça va ? Qu'est-ce qu'il y a de bon ? Bonsoir. Enchanté. Petit coup d'œil. Attends, je vais jeter un petit coup d'œil. Bien sûr, avec plaisir. Qu'est-ce que c'est que ça ? C'est un zapping d'aubergine. Zapping d'aubergine ? Ouais. Et ça, ça c'est un purée de marron. Et là, une friture pour faire... Une friture pour le zapping. Mais, ah, d'accord. C'est quoi un zapping ? Zapping, c'est tout ce qu'on peut faire. Ouais. C'est tout ce qu'on peut faire avec l'aubergine. Autour de l'aubergine. J'aime ouais. beaucoup l'aubergine. Prenez place, monsieur. Monsieur Ardisson ne va pas tarder. Il finit de se préparer. Moi, je prendrais bien un sandwich Auvergne. C'est très coloré. Hein. Un peu de champagne, un peu de vin, un whisky. Vin, qu'est-ce que tu bois, toi ? Moi, je veux bien un whisky, s'il vous plaît. Un whisky ? Non. Vous voulez un peu de champagne, monsieur ? Non, un peu de vin, parce que je ne changerai pas. Un peu de qu'est-ce vin, qu'on boit comme matin, vous savez, non ? Vous avez le vin rouge ou vin blanc ? Oui. C'est un vin des Beaux de Provence. De Provence ? Des Beaux. Des Beaux ? Chez toi. Des vins des Beaux, tout de suite. Moi, j'ai ramené un ouzo pour le maître de maison, si vous voulez lui donner. Bien sûr. Merci beaucoup. Je vous laisse le sac. C'est pas génial. Ah, oui, d'accord. Il est légèrement frais, c'est le blanc. Pardon. C'est une très bonne idée, ça. Votre whisky c'est avec glace. Très, très avec de la glace, s'il vous plaît. Oui. On a de très très bons vins chez nous qui sont malheureusement méconnus. Ouais. Mais en Provence, il y a des viticulteurs maintenant qui font des choses tout à fait remarquables. Et dans les Beaux de Provence, ils les font en hauteur, ils les font où ? Non, il y a des vignes. Il y a des vignes au Beaux, dans les environs des Beaux. Moi, à chaque fois que j'ai des amis qui viennent manger à la maison dans le midi, on ne boit que des vins de la région. Et on va de découverte en découverte parce qu'il y a vraiment des viticulteurs qui font... tu vois, par exemple, ça, c'est interdit, ça. Ça, c'est interdit, oui. Ils font beaucoup, beaucoup de... Ça doit être quelque chose de beau. C'est comme il y a 20 Merci. Ans, 25 ans. Les vins du Languedoc avaient une très très mauvaise réputation, même les politiques disaient que c'était de la mauvaise qualité. Je ne vais pas employer le mot qu'ils employaient parce qu'il était très laid. Mm-hmm. Mais maintenant, il y a des... Vous avez une bonne matière première, c'est pour ça. Il y a tout, il y a tout ce qu'il faut. L'ensoleillement, d'abord les hommes, ça c'est le plus important, ou les femmes. Parce que moi j'ai une copine qui fait un vin à Châteauneuf-du-Pape qui a 90 au parker, hein, donc c'est vraiment excellent. Parce que c'est vachement machiste. Ah oui, et c'est machiste, mais non, je te dis, il y a des viticultrices. Alors, les hommes ou les femmes, la terre et le soleil. Voilà.
Tu as déjà écrasé des, à l'ancienne des... Non, mais toi, oui. Ah, je l'ai déjà fait. Félicitations à ta santé. Il n'est pas là, Yon. Il ne va pas tarder. J'espère bien. On aura un deuxième verre. On va arriver sous au dîner. Il y a qui d'autre ce soir? Il y a du monde? Michel. Il y a Michel, il y a Maïtena, maternelle sur la Seine. Maïtena, oui, Maïtena. Il y a Virginie d'M6. Ah, la petite nouvelle, la petite belge. Oui. Il y a Tadei. Paris Première, qui est venu un soir faire... Tu as été filmé, toi, le soir? Il est venu chez toi? Oui. Il y a, je sais pas, Nico Saliagas, paraît-il. Tu peux guiser. Très sympa. Non. Et puis un peu Metec. Un peu Metec. Jean-Pierre Foucault, très bien. Oui, j'aime beaucoup. J'ai toutes les cassettes à la maison. Tu vas une fois par mois, là-bas, ou pas? Oui, une fois. Un long week-end par mois. C'est bien. Un week-end par mois, je ne peux pas couper avec la terre. Et là, j'étais à une fête traditionnelle en pèlerinage jeudi. C'était la Sainte Agathe. Et c'est la protectrice de ma région. Et chaque année, le 22 août et le 5 février, je vais lui rendre hommage. Et en famille, on se retrouve tout le clan autour de la Sainte Agathe, qui fut une martyre sicilienne. Elle protège qui, Agathe, alors ? Elle protège les couturières en Espagne. Et en Italie, elle protège parce que les Siciliennes, à la base, elle protège les femmes qui allaitent. Parce qu'elle s'était fait couper en morceaux par un empereur qui voulait la posséder. Elle ne s'était pas donnée. Et quand il lui a coupé les seins, la nuit, les seins ont repoussé. C'est le miracle de Sainte Agathe. C'est une femme qui compte pour nous. Et l'agathe veut dire la vertu en grec, agathé. Vertu. On est loin d'agathe, mais bon. Mais... J'ai posé la question. Tout le mois de février, dans mon village, à Carine-Rouet, à côté de Marseille, c'est la fête de l'oursin. Hein? Oursin. C'est la saison, d'ailleurs. C'est la saison. Et donc, on mange des oursins, comme ça, au bord de l'eau. Hein? On a le droit de les pêcher. On les mange au bord de l'eau avec un verre de vin blanc. Avec ça, il y en a avec le grappin, c'est plus possible. Ouais. Parce que les oursins, quand j'étais gamin, on pouvait se baisser pour ramasser les oursins. On les voyait. Mais on les voyait. Ouais. Maintenant, il faut aller au fond. Donc, les oursins arrivent. Ok, et tu paies une douzaine d'oursins, le prix, attention, regarde, le prix d'un oursin, ça ne tâche pas le whisky, ouais. Le prix d'un oursin à Paris, tu peux acheter une douzaine. Oui, mais l'oursin, pour le voir, il faut que la mer soit propre. Oui, bah elle est propre, tu plaisantes. Et donc pendant tous ces mois de février, on mange des oursins. Et tu le manges comment, l'oursin? Rien. Ça se déguste juste avec une cuillère. Les Parisiens prennent une petite cuillère, chez nous on prend un morceau de pain, et puis c'est ça, ouais, non, c'est ça. Avec le pain. Avec le pain. Avec un petit peu, une petite cuillère, pourquoi? On met rien dedans, on met pas de citron, on met rien. Attends. Nature. Non, parce que j'ai vu des gens en mettre, mais chez nous, on ne met pas. À tous les coups, tu mets du sel sur une tomate, ça va pas, non. Et donc, tu nettoies, si tu veux, l'oursin, le corail, tu manges un coup de blanc, tout va bien. Et ensuite, Viagra, parce que c'est très aphrodisiaque, ce machin. Ah, c'est très, très bon. C'est une tuerie, l'oursin, quoi. Tu en as mangé beaucoup cette semaine? Pas du tout. Bon. Non, tout ça, c'est pas raisonnable. Il faudrait qu'il arrive parce que plus on attend, plus on bouffe. Dites-moi, chef, tout est là ou... Non, il y en a encore. Moi, j'ai de la purée de marron. On n'a pas vu. Non, certaines préparées, là. Parce que la table est une excellente table ici, hein. Ouais. On me l'a dit. Hein. Ouais. Moi, j'ai des amis qui sont venus dîner là, toi aussi. Puis là, Régis Martin, c'est magnifique, il a 3 étoiles, hein, bien entendu. Comme il a au Guémio, il a pas loin de 20. Hein. Pas loin de 20, non. Pas loin de 20, bon, sur 20. Donc c'est vraiment le top. Alors on peut pas avoir le menu, non? Et voilà ce qu'on va vous servir. Dîner plateau télé ce soir. Ah, ça c'est tiens, c'est original. Avec un zapping. Zapping d'aubergine. Ah, mais oui, zapping. Prime time autour de la noix de Saint-Jacques, donc c'est très actuel. Et marron au curry. Tout à fait. 1000 feuilles de fruits rouges et sa part de marché. Je sais pas, vous avez mis quelque chose dans vos cacahuètes, elles sont légèrement... aphrodisiaques ? Non, mais là... Elles sont une cacahuète et l'oursin. Ah, tu sais qu'il faut pas manger de cacahuètes dans les bars. Je sais, c'est une horreur. Il faut pas le dire, mais... Non. Il paraîtrait que... Hein? Vous savez bien qu'on est conditionnel.
Ça m'intéresse de le savoir, moi, qui travaille dans un bar. Tous les gens qui vont aux toilettes ne se lavent pas automatiquement les mains après. Et donc se rincent les doigts dans les cacahuètes. Et quand vous faites une analyse de cacahuètes de bar... 23 variétés de bactéries... Des bactéries. Du pénis. C'est très réconfortant. Ah, c'est une grande classe. Moi, personnellement, vous en prendrez un petit peu. Le mien n'a pas de bactéries. Non. Enfin, le mien, je m'en souviens plus. Mais... En tout cas, c'est superbe. Hein. Ce qui est très intéressant, il faut être observateur dans une cuisine, c'est avant même de savoir ce qu'on va te mettre dans l'assiette, c'est de voir les assiettes. Et quand tu vois ces assiettes qui sont absolument magnifiques... Carré design. C'est vrai. C'est irréel. Très, très belle. Très, très belle. C'est pour les sauces, j'imagine. Je te dis pas, faites voir le lave-vaisselle qu'il faut avoir. Bon. Ou alors le personnel qui va avec. Parce que tu vois, servir à dîner dans une assiette pareille... Et puis, c'est, je suppose qu'il y en a plusieurs différentes tailles, etc. Celle-ci, c'est pour l'entrée, celle-là pour le plat. Alors, vous voyez là, vous ne me demandez pas d'emporter deux, que deux simplement, pas plus. On ne peut pas piquer les assiettes et les couverts, évidemment. Thierry est là ? Oui, il finit de se préparer, il était légèrement en retard. Il est dans son bain ? Je pense qu'il en est sorti tout de même. Mais c'est bas. Il met ses bas, j'imagine, il enfile ses bas, et il se maquille. Donc toi, t'es heureux, tout va bien. Alors finalement, c'est les vacances, elle s'est dit. Je sais pas si c'est les vacances, mais c'est un... Je suis plus tranquille. Non, mais par rapport au rythme, par rapport à la cadence... Je suis pas dans la folie quotidienne du... C'est surréaliste, puisque tu es tous les jours appelé à parler en direct, quoi. Bon. Tu me diras, celui qui fait le 20h aussi, mais là, t'as toute la nervosité de la machine, quoi. Non, c'est épuisant. Il faut savoir en sortir au bout de 4 mois. C'est du plaisir, mais à la fin... T'es parti en vacances, hein ? Ouais, je suis parti un peu en Normandie, ensuite un peu aux États-Unis, voilà. Mais deux fois à 5 jours. En fait, le magazine sur LCI, ça te permet de sortir, d'aller au cinéma, au théâtre... Ah, grave. De voir un peu de lire des bouquins. Bouquiner, Gilles ! Oui, monsieur. Ah, ouais, Gilles, viens voir. Tu les fais patienter, j'arrive. Je finis de me préparer, j'arrive. Ouais. Ou Primus Inter Pares, on est tous pareils, quoi. T'attends, tu essaies de vendre ta sauce sur la chaîne. Il est presque prêt. D'accord. Presque. Et quand il gueulait, il était en slip, là, ou... Il me manquait des chaussures, simplement. Moi, j'ai dîné avec Thierry en Grèce. Avec qui ? Avec Thierry en Grèce. À quel endroit ? À Athènes, ouais. En face de chez moi, d'ailleurs, au bord de la mer, à Athènes. Et figure-toi que Thierry est un des rares connaisseurs de la culture néo-hellénique, la culture grecque moderne, de l'historique, littérature, artistique, mais... Et il m'a totalement impressionné, quoi. C'est un gars qui va en Grèce chaque été. Tu sais que je ne suis jamais allé en Grèce. J'ai honte. Je vais organiser. J'ai honte. Je suis sûr que vous venir à Carril Roux, et de toute façon non plus. Mais non, bon. Mais je connais bien le Sud, quand même. Ouais. Bon, je me sens un peu à la maison. Tu parlais des beaux tout à l'heure, mais bon, je me sens à la maison. Merci. Mais tu veux pas qu'on organise 5 jours comme ça en Grèce pour la joke, pour nous ? Oui, volontiers. Avec les beaux jours, au mois de mai, un long week-end, un vendredi, lundi. Ah oui, volontiers. Puis je t'emmène dans les petits bouis-bouis. Avec grand plaisir. Ah oui, parce que c'est un pays que... Fascinant, déjà. Gilles ! Oui ? Tu vas te sentir à la maison. Gilles ! Monsieur. J'adore. Il est insupportable, hein ? Tu l'aurais servi à boire ? Oui, bien sûr. Bon, j'arrive, hein, j'arrive. Monsieur Ardisson s'inquiétait, il pensait que je ne vous avais pas servi à boire. Ah. Non, tout va bien, Thierry. Faut pas crier, pareil, non, c'est pas le savoir-vivre. Et là, il avait mis ses chaussures ou... Il a mis les chaussures. Ah, on est de progrès, déjà. Et au-dessus des chaussures, ça m'a donné l'impression d'être habillé ou... C'est habillé. Bien. Nous, on peut dîner là, si vous voulez. Mais nous, on est prêts. Nous, on est bien, Tu sais pourquoi on mangeait plus dans la cuisine ? Parce que les cuisines dans les appartements modernes sont devenues ridiculement petites. Oui. Mais avant, c'était un lieu où quand on ne recevait pas, ou en famille, on passait directement du fourneau à la table. Hein. Il y a toujours un petit lit. Désolé, hein, il y a longtemps que tu es là ? Jean-Pierre, non, j'avais une petite heure. Salut. Calinique, t'as. Ouais. T'es calé. Cala. Je disais que tu connaissais la Grèce tout à l'heure. Oui, comme personne en France. Plein de compliments à ton encontre sur ta... connaissance de la culture hellénique. Non, mais la Grèce, c'est mon deuxième pays, hein. Mon pays de cœur, vraiment. J'étais en Grèce la première fois, j'avais 19 ans, 20 ans. T'as écrit un bouquin là-bas ? J'ai écrit un bouquin, mon premier livre, je l'ai écrit en Grèce, ouais.
à Ios. Tu connais pas? L'île des vins. Ça y est, nous venons de venir d'un long week-end. Merci, Gilles. Il s'est occupé de vous quand même, non? Bien sûr, t'es remarquable. Bon whisky, on a la tienne, la santé. La tienne, Thierry, merci, on se voit, on se connaît. Alors, on fait un... Pardonne-moi. Là, on fait un verre méditerranéen, là. Oui. C'est ce qui nous relie. Moi, je suis de Nice, lui, il est grec. Et moi, Marseille, donc, Marseille, voilà. Pas de problème. En plus, il a monté la secte, quoi. Méditerranée. On disait du bien de la Méditerranée. Je t'ai ramené un petit cadeau de... Parce que tu sais, on vient jamais les mains vides dans une maison. Fais-le. Et fais-le, j'étais à Athènes ce matin. Bien, lui, non, mais il faut savoir le faire. Tu connais le truc. C'est pas un chapelet, c'est pas religieux, c'est juste pour passer le temps. C'est pas fou. Un signe ostensible interdit à l'école. Non, c'est accepté par la laïcité grecque, en fait, qui n'existe pas. En fait, c'est juste pour passer le temps et puis tu comptes tes souvenirs, tes conquêtes, voilà, c'est philosophique. Puis en même temps, ça. Quoi, toi, t'es milliard. T'as raison. Je compte le temps qui me reste. Et monsieur, vous apportez un peu de. Ah, du ouzo. Ah ouais, merci beaucoup. Bah, disons, c'est merveilleux, merci. Non, mais c'est vrai, j'aime vraiment la Grèce, moi. C'est vraiment un pays. Ma culture et mon éducation font que tu recevras demain. Oui, entendu. Oui, c'est ce qu'a dit Nadine de Rothschild. Moi, je suis un peu métèque. Nadine de Rothschild a dit qu'on envoyait. J'ai lu tous ses livres. Très bien. Non, mais ils ont pas changé. Le stade avancé. Quand ils décident de faire les Jeux Olympiques, ils font le métro, le stade, enfin, ils font tout, quoi. Il y avait rien. Il y avait rien. Donc, le stade, le toit, il est en plexiglas, il est plus en verre, ouais, d'accord. Ouais. Voilà. Ouais. Le métro. Hmm. Le métro, il est top. Ah bon? Il est top, il a été fait par des Français, en plus. Ah ouais, bon, il est top. Mais les premiers Jeux modernes ont été faits à Athènes. En 1896, par c'est monsieur ça. De Coubertin. Et qu'est-ce qu'il y avait comme rien. Infrastructure? Rien du tout. Rien. Il y avait le stade de Panathéen, en fait, le stade, le vieux stade où, voilà, il n'y avait rien du tout. Mais là où il y avait l'aéroport, ils vont faire un truc, non? L'ancien aéroport, ils vont faire des... D'abord, ils font les répètes en ce moment. Font les répètes avec pour la cérémonie d'ouverture. C'est un gars bien qui fait ça, mais c'est le découflé grec, qui s'appelle Dimitri. Ah ouais, il s'appelle comment? Papa Ioannou. Donc avec un nom comme ça, à mon avis, la soirée est réussie. Tu sais qu'il présentait le journal, lui? Je sais, bien sûr. Sur Alter, il présentait le journal à 20h30. Hein. En fait, ce qui est fou avec toi, c'est qu'en fait, au départ, tu étais super journaliste, quoi. Ah ouais. D'où son intérêt de réintégrer une rédaction, c'est veille, ce qu'on disait tout à l'heure. La veille de mon arrivée à Athènes, ouais. À Paris, pardon, la veille de mon arrivée sur TF1, j'ai dîné avec Thierry à Athènes. Ouais. Voilà, par hasard. Ouais. Il m'a filé deux, trois bons conseils. Il m'a dit, il faut que tu les connaisses. Leur vie par cœur, la vie des petits par cœur. Il m'a dit, il faut faire du sport. Ouais, ce que j'essayais de faire. C'est Drucker. Ouais, du vélo. Drucker, il m'a tellement cassé les couilles avec... arrête de sport, fumer, arrête de boire, fais du sport. Il a pas tort. Tu vas voir. Lui c'est un peu à l'excès. C'est un peu à l'excès, Michel. Ouais, Michel. Parce que moi, quand je bois un coup de vin des Baux de Provence à Carreau, Louis Stable vend tout. Pas les côtes du Ventoux, la côte du Ventoux. C'est deux choses tout à fait différentes. Il est maso, Drucker. C'est où, faut saluer où? C'est Théa. Il y a Guillaume Durand aussi, qu'est-ce qu'on prend chez Guillaume Durand ou pas? Bon, c'est vrai, quitter Caril Rouet pour la Grèce en même temps. C'est toujours la Méditerranée, quoi. Ouais. Quatrième étage. Ouais, c'est bien. T'as même pas la chance. J'avais voulu aller en Grèce, puisqu'ils disent qu'on ne va pas aller voyager dans des pays qui ressemblent aux nôtres. Sauf que la Grèce, c'est la Provence il y a 50 ans, quoi, je veux dire. C'est qu'il va y avoir du pognon à table. Ah ouais? Il y a de l'oseille à table. Et tu crois qu'on peut faire comme quand on était môme, on peut aller dans la chambre, tirer les larfeuilles, faire comme ça, ou c'est pas possible? De toute façon, moi, je laisse pas mon manteau. Pareil qu'il y a Drucker, laisse pas ton manteau. Tu peux encore t'isoler avec ta femme en Grèce et planer, quoi, d'être au bout du monde. Ouais, il y a encore des coins. In the middle of nowhere. On est câlin entre Marseille et Cassis, il n'y a personne, par exemple. On n'est pas loin, d'ailleurs. C'est le même décor, on n'est pas loin. Sauf que t'as des mecs en toge encore qui se baladent. Il y en a très peu à Marseille. Et ton bouquin, t'en as vendu, là? Écoute, j'en ai vendu quelques-uns, ouais. En Grèce, il vient d'être traduit et il sort en Corée. En Corée? En Corée, je vais le défendre, là, en avril, je vais en Corée défendre. J'ai écrit un bouquin sur la mythologie. Messieurs, bonsoir. C'est moi, qui veux le premier? Bonsoir. Bonsoir. On sort la louche quand même, non? Là, donc, il y a... Confiez-moi vos manteaux. Je vous confie. Quoi qu'on se disait que tous ces gens de télé, c'était peut-être pas prudent de laisser son manteau, mais... Merci beaucoup. T'es un palimpseste vivant, il m'avait dit, et tout. Ah, c'est vrai, ouais. Voilà, vous pouvez passer. Ah, salut Frédéric. Salut. Ça va, fils? Il y a bien. Il y a du monde. Je sais pas si je vais pouvoir rester, je suis désolé. Ça va bien. Mais c'était quoi ce soir, les guignols, là? La folie de Juppé, là, ça commence à m'agacer sérieusement, ce qu'ils font. C'est fou, cette histoire. C'est l'abbé Pierre, hein, Juppé, là. C'est un délinquant, le mec. Il est... enfin, jusqu'à preuve du contraire, la justice... Non, comme il y a appel, c'est pas un délinquant. Pour l'instant, il est rien. Ah ouais?
Va dire ça à Mouloud qui vient de prendre 6 mois, qu'il a fait appel et que ça va aller. Ouais, s'il fait appel, Mouloud, il a 6 mois de tranquillité. Non, il a pas 6 mois de tranquillité, l'appel. Mais non, les juges en comparution immédiate, on les fait beaucoup plus chier, tu sais bien. Tu sais bien, le mec qui prend 18 mois, le minimum, c'est que tu fermes ta gueule. Tu dis bon. Téléphone. Ah, sinon, d'abord, je me lis l'histoire, regarde, tu me sens attrapé, je me dis. Et en plus, il est pas poli, ça c'est vraiment là. J'ai dit pardon tout à l'heure. Et alors, t'as dit pardon, tu crois que ça suffit, toi? Allez, sans, allez, dégage. Ah, t'as accès, ma main, d'axi. Ok, d'axi. Tu parles à qui, à Irini? Non, je parle à ma soeur, ma mère t'embrasse. Ah ouais? Tu sais pourquoi j'aime bien. Ton père était ailleurs, non? Ouais, mon père est ailleurs. Son père est venu s'installer en France. Tu sais pourquoi j'aime bien Athènes? C'est là où Bruno devrait aller en ce moment. C'est le seul endroit au monde où les filles seules voyagent. Tu vas à Athènes. Tu trouves que des ribambelles de filles seules. Et elles accostent. Non, parce que même quand tu te fais bronzer à une taverne, t'as l'impression d'étudier un peu Platon ou Aristote. Donc toutes les filles seules vont là-bas. Elles ne veulent pas venir à Paris ou à Rome parce qu'on les siffle. Elles ne vont pas à Jérusalem, il y a des attentats. Tu vois, tu es touriste international. Tu peux des gonzesses si ça ne te fait rien. Oui, elles ne vont pas dans les pays musulmans, donc elles vont toutes à Athènes. Dans les années 90. Elles ne se méfient pas. Elles avaient manifesté d'ailleurs, les Suédoises, parce qu'avec la crise du sida, tous les kamakis. La première crise, ils ne savaient pas ce que c'était. Les kamakis, tu sais, c'était ces niqueurs, entre guillemets, professionnels qui attendaient la touriste, mais ils n'étaient pas payés. Ça s'appelle un kamaki. Un kamaki, ça veut dire le harpon. Et, après, la fille te parle de son fiancé grec. Elle croit que c'était totalement par hasard. C'était un kamaki. C'était juste un bâton, le mec. Il était juste là pour avoir un bâton de berger, voilà, mais grec. Et donc, quand elles repartaient, elles avaient connu le kamaki. Et à l'époque du sida, ils découvraient le AIDS. Donc, ils ne faisaient plus l'amour avec les touristes. Et donc, les véridiques, je me souviens de la dépêche, au début des années 90, les Suédoises de Rhodes ont manifesté « We want the kamaki back ». Parce qu'elles étaient venues là pour faire l'amour, quoi. T'as peur de lui, toi? Mais non. Pourtant, il t'a bien allumé, quand même. Écoute, comment veux-tu... C'est le seul, un des rares qui a ta marionnette, toi. Moi, comment? J'ai ma marionnette. On lui a donné sa marionnette. C'est un club, c'est un club extrêmement privé, où bon nombre de personnes souhaiteraient avoir la carte de membre, mais ne l'ont pas. Ouais. Moi, je suis dans le club, je vais pas m'en plaindre. Bon, avec, bien entendu, les côtés agréables, et parfois les côtés désagréables, mais je m'en plains pas. Et ça t'a aidé, chaque fois qu'on pose la question... Moi, ça m'a aidé, oui. Sur ton rire, un petit peu moins maintenant. Il fait bien Jean-Pierre Foucault, lui. Je le fais moins. Grâce à Lecoq, je ris un peu moins niaisement. Un peu encore, pour faire plaisir les uns les autres. Mais enfin bon. Ce que j'adore chez les manipulateurs, c'est qu'ils te font tourner la tête comme ça. C'est ma bonne. Tu en veux pas, en fait? Pas du tout. Mais est-ce que les humoristes sont pas ceux qui acceptent le moins la dérision? C'est-à-dire, est-ce qu'un type comme Bedos, il est content de sa marionnette ou pas? Ça va tourner qu'il soit content. Je pense pas qu'il y ait un humoriste qui accepte qu'on joue un peu avec leur, si je puis me permettre, leur fonds de commerce. Ouais. Il y en a d'autres qui sortent. Ah non. Oui. Allez, Olga. Et les politiques, ils t'appellent, les politiques, ou pas? Non, mais non. Pendant très longtemps, on a eu une direction qui faisait son boulot, merveilleusement. C'est-à-dire... Ah, ça y est, il va balancer. C'est-à-dire que... Non, mais je... J'ai pour principe d'être sincère et tranquille. Ouais. Je les emmerde, tous. Et s'ils veulent me virer, ils me virent, ils font ce qu'ils veulent. De toute façon, on est tous dans le même cas à la télévision, le jour où ils veulent te virer. On est tous de passage. C'est comme des gens bien. Il est pas remercié. Schumacher, il n'est pas obligé. Ouais. Hein? Le jour où ils en ont assez de ce qu'il fait, dehors. Toi, c'est pareil. Non, c'est une arme qui me tolère depuis 20 ans. Mais ils t'ont viré. Ça fait 12 ans qu'ils me tolèrent. Non, ils t'ont viré. Ils m'ont viré une fois. T'es le seul qui est revenu vraiment, toi. Ouais, mais regarde la rédemption, comme t'es devenu meilleur après. Oui, mais c'est le seul. Tu te rends compte? Non, mais les politiques t'appellent pas, non? Bonjour, messieurs. Messieurs, bonsoir. Oh, comment ça va? Depuis le temps qu'on est voisins, fallait bien que je monte un jour. Ça va? Ça va et toi? Ça va bien. On est voisins. La semaine dernière, on a eu un chien, le chien de Pierre Combesco, mais tu ne peux pas imaginer. Un carlin? Ah non, j'ai vu un chien. J'ai vu un carlin dans les bras de Claude Berry. Ah oui, Berry, son chien était sympa, mais celui de Combesco, mais alors il nous a. Il mange pas les assiettes, ton chien, non, Michel. Non. Je viens de faire une émission épuisante, j'ai fait du Doliprane avec Schumacher et l'équipe Ferrari. À cause du bruit. Oh. Parce qu'à cause des égos des uns des autres, des pilotes, etc. Les mecs, ils doivent avoir quand même des couilles comme ça, quoi, les mecs. Ah, j'ai des coups, surtout. Et là, ça s'est bien passé? Donc, j'ai épuisé. Mes Delon, Jean Reno, Johnny, tout ça. Ah, il y avait tout ça? Oui, il fallait gérer tout ça. Oh là, ça fait beaucoup d'écho à gérer, ça. Ça fait beaucoup d'écho. Ah, bah tiens, ton ami. Oh, merde, pas de routière. Qu'est-ce qu'on fait? On fait de la télé, on s'embrasse encore. C'est une table provençale, là. Oui, c'est une table des galières. C'est une table provençale.
Tu connais Frédéric ? Oui, que je confonds toujours. Non, vous avez les mêmes, hey, vous avez les mêmes chaussures tous les deux. Tiens, tes... non, fais voir tes pompes, Michel. Non, mais c'est insensé, ça. Pas tout à fait. Alors, tu vois, hey, quand tu es animateur star à la télé, il y a un type de chaussures qu'il faut avoir. Enfin, je vais pas pouvoir me. Pas non, regarde ce que tu fais. Ouais, tu vas à Rome et t'achètes des Gucci en solde. Qu'est-ce que tu fais ? Voilà Rome, quoi. Ouais, c'est les Gucci ou les Gucciottes. Hein, c'est Non mais je disais juste un truc sur le... dire en fait on est protégé par notre public. Eux ils ont un problème à TF1 qui est pas du tout la même problématique que Canal. Nous on a un temps télévisuel qui est d'un an. Ouais. Le mec qui s'abonne, t'as un an pour le satisfaire. À TF1 vous avez une soirée. Tous les soirs il faut scotcher le maximum de gens devant le poste à regarder la même chose. Parce que sinon la pub s'en va et ça te coûte de l'oseille. Nous on peut faire le contraire à Canal+. Tu dis... t'as payé l'abonnement le 1er janvier, le 31 décembre, il faut que tu te réabonnes. J'ai un an pour te satisfaire. Et on sait qu'un abonné satisfait 2-3 fois dans le mois, il se réabonne. Donc t'as le foot pour ça. Comme une femme. Visibilité cinéma. Présente-la moi, je suis crevé en ce moment. Nous sommes tous les trois des Provençaux. Lui un vrai, et nous d'adoption. D'adoption. On habite à 200 mètres. Ah ouais. Dans le même village en Provence. C'est marrant, ça, quand même. Ouais, mais Thierry est niçois, moi je suis tropézien. Ouais. Et on se voit. T'es né à Saint-Tropez ou non ? J'ai toujours été étonné par ce phénomène d'agglomération qu'il y a chez les gens de télé l'été. Ils se retrouvent toujours tous au même endroit. Rappelle-moi où t'as loué. À une époque, c'était en Corse. Rappelle-moi où t'as loué ta baraque l'été dernier. J'étais en Camargue, j'étais loin. attends. J'étais loin, je suis venu en voiture pour aller chez toi. Non. Je suis né là-bas, moi. Où veux-tu que j'aille ? Il est né à Marseille. Mais ce que tu ne sais pas, c'est que lui, c'est différent. Il tient le resto du village. Oui, je sais, c'est pour ça que je suis allé. Moi, le Mico Coulier. Moi, je suis. Eux, ils sont en réserve. Tu bosses dans le resto. Il y a quand même. Je bosse dans mon resto, j'ai fait à manger, je fais des pâtes. Ah ouais. Je sers à table. Et il prend un vrai resto. Mais Thierry. C'est pour ça que j'y vais l'été, parce que j'aime bien qu'il me serve à table. Non, mais il a un resto dans mon village qu'il a acheté il y a quelques années. 5 ans. Il y avait Mousse Diouf avec toi au départ. Ouais, au départ, il y avait Mousse. Et à la fin, vers 11h, sous le Mico Coulier, qui est un endroit génial, il prend sa guitare et il chante. Non. Oui, en italien. C'est un rital, lui. Oui, je sais que c'est un rital, mais je ne savais pas. Et il chante. Un copolet, la gamine. Mais il ne connaît pas les Alpes. Si, j'habite à Avignon, moi, si je connais. Je me suis marié, moi, avec la plus jolie fille d'Avignon. Quand ma première femme était. Mireille Mathieu. Oh oui, j'ai quand même des accents. Bien janté. Oui. Bonjour, Maïté et Virginie. Oui, 4e étage. Merci. Il peut faire l'intérim. Il ne fera pas le numéro 1, il fera l'intérim. C'est autre chose. Il fera l'intérim. Mais j'espère que c'est des gonzesses, là. Parce que là, ça commence à... Quand il te racontait la révolution... Bonsoir. Wow. Bonsoir. Ah ouais, voilà, il fallait vraiment qu'il y ait des filles qui arrivent parce que là, ils sont chauds comme la braise. Ils sont nombreux. Ils ont déjà vu. Et pas toi, bien ils sûr. Ont vu. Voilà, moi, tu sais bien comment je suis. Merci, Maïté, la délice. Tu vois comme elle me connaît bien, Maïté. Ma chérie. Ça va ? Tu sais que c'est moi qui l'ai fait venir de Suisse, Maïtena ? Je sais ça, elle m'a raconté dans l'ascenseur. Voilà, Maïtena était Maïtena, c'est moi qui l'ai fait venir de Suisse, je sais pas pourquoi, parce que je l'avais vue sur une émission qui s'appelait Ça colle et c'est piquant, donc comment ça s'appelait ? Ça colle et c'est piquant. Je vous confie mon besoin. Ça colle et c'est piquant. J'ai dû coucher avec elle. Je l'avais vue en Suisse dans cette émission et je l'avais vue venir en France. Mais une fois qu'elle était là, je savais plus quoi en faire. J'ai fait un interview ici dans ta chambre. Bah oui, je me souviens. Dans la chambre, on n'a jamais couché ensemble. Séverine Ferrer. Pas encore. C'est vrai, Maïtena ? Non. Pas encore. Mais je suis trop blonde. Alors déshabillez-vous, les filles. Donc voilà la chambre. Ouais. Attends, moi je vais monter en bas. Là. Ah, c'est une très bonne idée, Lily. J'adore Lily, c'est mes fleurs préférées. Tiens, Gilles. Oui. Tu mets ça dans l'eau ? Bien sûr. Le vase turquoise qui est devant la chaîne IFI. Thierry, toi qui n'es pas chérie. Au cœur froid. Oui. C'est émouvant de revenir ici, tu sais ? Pour toi, c'est émouvant ? Oui. C'est bien, ça me fait plaisir. Oui. J'ai attendu mon fils ici, l'étage en dessous. Je sais, mais oui, je sais que tu sais, mais je te le dis, c'est émouvant de revenir ici. Et quel âge il a cet enfant ? Il a 7 ans comme Gaston. Ah ouais. Et ça me fait très plaisir de te voir. Mais moi aussi. Attends, ça va, on peut être blonde et voir la Mesdames, messieurs. Mesdames, messieurs, des meufs. Ah, enfin. Virginie Efira, la star. Voilà. Les 7 mercenaires. En 3 mois, elle est devenue vedette. Virginie Efira, Bruno Gassio. Ah, enfin. Maïté Nazirabba. Que vous connaissez un peu mieux. Je sais pas du tout comment on drague, tu peux me dire. C'est à force de faire les boîtes à cul, je sais plus du tout comment on drague. Je sais comment on baise, mais je sais plus comment on drague. Non mais Maïtena, Maïtena va t'expliquer. Maïtena, voilà. Nous connaissons. On avait nos fils dans la même maternelle, mais on s'est croisés. C'était la rentrée des classes. Maternelle est le mot-clé. Maternelle étant le mot-clé, voilà. Par contre, je fais des enfants, si vous en voulez. Non, on va passer à table, parce que j'en ai trop nombreux. Tu peux emmener ton verre, Bruno, si tu veux.
Ça va? T'es descendu, non? Je la descends trois week-ends. Ah, trois week-ends. Moi, j'étais là. Moi, je n'étais pas trois week-ends. J'étais là le week-end. Oui. Michel, tu es ici. Monsieur Foucault, vous êtes ici. Merci, monsieur Ardisson. Virginie, oui. Tu es là. Frédéric Taddeï, oui. Tu es là. Nikos, oui. Léo Nikos, tu es là. Bruno, ici. Non. Eh oui. T'es où, toi, chérie? Elle est là, voilà. Tu es là. Asseyez-vous, asseyez-vous. Rien du tout. Hein? J'ai aucun substitut. Je veux dire, non. T'as arrêté sans substitut? Ben, j'ai passé une semaine avec quelqu'un qui fumait pas. Ouais. Et j'allais fumer au début sur le balcon, toi, genre. Ouais. Et puis, je me suis trouvé stupide d'être sur un balcon. Eh hey Michel, ça va? Eh hey Michel, t'es un peu chef de la télé quand même, non? Ah, c'est Michel! Il lève la main, tout le monde saute. C'est le parrain, c'est le parrain, c'est le Drucker. C'est le taulier. Comment ta femme m'appelle? Ma femme t'appelle Terminator. Parce que ma femme a compris un truc. D'ailleurs, toi, t'as dit un truc. Il a dit un truc un peu comparable, Nikos. Il a dit, le jour, je suis animateur. C'est un mélange entre animateur et Terminator. Et ma femme appelle Michel Terminator parce qu'elle me dit, le plus fort, c'est celui qui finit le film, quoi. C'est celui qui est vivant à la fin du film. Tu sais ce que j'ai toujours pensé? La vraie supériorité de Michel Drucker, à mon avis, n'est pas professionnelle, n'est pas tout ça. C'est juste que c'est le seul qui a jamais dit du mal de qui que ce soit dans ce milieu. Et ça, c'est pire. Et le vouvoiement. Ça, c'est pire. Mais en privé, bah, déjà, en je pense qu'il ne pense pas. Non. Bruno, qui me connaît depuis un moment, moi, j'aime bien déconner, me marrer. Oui, dans le privé, mais en vrai. Et la dirigeante. Il a des avis. Il a des avis très durs, Michel, en fait. Sans doute, mais il ne le dit jamais. Il ne le dit jamais. C'est la vraie supériorité, c'est ça. C'est qu'il n'a même pas besoin de dire du mal. Alors Virginie, avec lequel ici tu voudrais... Attends, bien foutre la merde. Avec lequel ici tu voudrais faire un duo? Sunshine Senior? Oui. forcément. Évidemment, Sunshine Senior. Sunshine Senior, on se fait valer par des Belges. Du Senior. C'est horrible pour nous. Avec quoi? Et tu fêtes tes 40 ans, là? C'est fait. Non, mais tes 40 ans de télé, tu fais une soirée, non? Il n'y a pas une soirée? Ben, maintenant que je suis là, ça me donne une idée, là. Pourquoi il n'y a pas... Non, mais pourquoi il n'y a pas une espèce déjà, de... Déjà, Michel va vous annoncer surtout son nouveau mariage télévisuel. Alors, c'est pas un vrai mariage, mais on va faire un petit bout de chemin. Michel tu m'expliques un truc qui fâche, toi. C'est sur la chaîne des vieux, ça. Ouais, la chaîne de Yeuve. Qu'est-ce que t'as fait? Alors, là, qu'est-ce que t'as fait à Gildas, à Bruno Gaston? C'est très simple. Explique-moi. Ah, la chaîne des troisième âge, là. Mais la chaîne de Yeuve, là, ils devaient la lancer il y a pas longtemps. La chaîne de Yeuve. Mais ils ne le font pas, il les a plantés, il s'est barré. Mais non, c'est une grande simplicité. Il s'est barré en courant? Ouais. Mais je sais pas, je me suis barré, c'est qu'il fallait la faire en janvier. C'était injouable. Moi, je pouvais pas démarrer cette chaîne en janvier, c'est impossible, je serais mort. Mais non, regarde ce que fait Thierry. Je bosse pratiquement autant que lui. Demande-lui, en plus de lancer une chaîne, il dort plus. Attends, il a fait une quotidienne, une hebdo, pendant combien de temps? Pendant 6 ans. Pendant 6 ans, il y arrivait, il recevait des invités. Il a pris un coach, après. Il a pris un coach. Regarde, il a pas pris de poids. Mais j'aime bien donner l'impression comme ça que je suis... Alors, c'est quoi ce mariage, alors? Ouais. Alors, entre qui et qui? Avec qui va se marier, là? T'es pas un vrai mariage. Moi, je joue au qui baise qui, toi. Ouais. je suis sûr que ça va pas lui plaire, là. Vous allez pas être déçus. Tu veux dire qu'il y a de la marionnette à faire, vas-y. Yves, c'est quoi, là? Non, je vais faire quelques émissions avec Sébastien, avec Patrick Sébastien. Mais c'est bien. Sébastien. C'est vachement bien. Pas mal. Le samedi, moi, Sébastien ne me dérange pas. Là, ce qu'il fait à la télé, c'est ce que je t'ai dit l'autre jour. Je fais quelques samedis, là, bientôt. C'est sympa, non? Oui, pourquoi pas, oui. Ça tout dépend de ce que vous présentez. C'est moi qui la font, la chaîne de vieux. Tu fais quoi avec Sébastien, alors? On va faire 4-5 émissions dans l'année. Ouais. Ça sera quoi? Émissions de divertissement, on va un peu se lâcher un peu tous les deux. Tu laisses tomber Delarue? Comment? C'est vrai, ça va lui faire de la peine. Avec Delarue, on avait fait 2-3 tentatives. Ouais. J'ai vu que les victoires de la musique, c'est... Oui. Tu t'as laissé tomber, laissé... Je fais les Molières, je peux pas faire les Molières, les victoires. Les Molières, ouais. C'est un boulot d'enfer. C'est 4 mois de boulot, les Molières, on y est déjà depuis septembre. Rien que pour apprendre les noms. Déjà. Non mais lui, il les connaît, c'est que des vieux, Molières, t'as pas remarqué? C'est vraiment que du Yeuve aussi, là. C'est la chaîne de Yeuve, il est en plein dedans. Mais moi, je vous annonce un scoop. Je vais me paxer pour une nuit, bientôt, avec Thierry Ardisson. Avec Thierry Ardisson. Personne ne le sait encore, vous êtes les premiers à le savoir. C'est la consécration pour moi. Pour une nuit SN, tu l'as entraîné dans une nuit SN. On fait le débarquement tous les deux. Oui. On fait le débarquement le 6 juin. Minuit et 4h du matin, on sera ensemble à Sainte-Mère-Église. C'est bien ça, vous êtes en direct. Pourquoi ils ne vous ont pas marié avec un Allemand ou une Allemande? Ah oui, c'est vrai, ça n'aurait pu avoir ça. Mais il y en aura aussi. Mais qui a eu cette idée merveilleuse de faire le débarquement entre minuit et 4h du matin?
Non, parce qu'on fait la nuit complète. La nuit du 5 au 6, Bruno. Et vous le faites sur site ? Il y a d'abord Thierry et moi, les rescapés. On sera là pour témoigner. Et c'est intéressant. Très bien, ouais, moi je suis ravi. Et puis en plus, t'es un historien, t'as un fond de l'histoire. Si les Anglais débarquent pas, on sera peinard. On va faire 21h, 7h du matin. Scrute bien l'horizon. La nuit complète. Ils sont tous pour toi, mais est-ce que tu es bien accueilli dans le milieu, tout ça ? Ouais, étonnamment, oui. Ouais. Pourquoi étonnamment ? Parce qu'on s'imagine quand on travaille en Belgique, en arrivant en France, comme ça manipule plus d'argent, que c'est très fermé, plus de pouvoir, forcément qu'il va y avoir plus de cons aussi. Et je trouve les gens, mais bon là, ça fait 6 mois que je suis là. Moi, hein, je suis la Benjamine, et donc je les trouve plutôt accueillants, gentils, sympas. Michel, c'est les 35 premières années les plus difficiles après celle d'arrivée. Oui, exactement. Allez, vas-y. Et il sait de quoi il parle aussi, Jean-Pierre. Je suis à 37, moi, donc, tu vois. Plus mais nous avons deux francophones à cette table. Oui. La Suisse et la Belgique. La Suisse, la Grèce, la Belgique, l'Europe. Dis-moi, alors Virginie, t'as multiplié ton salaire par combien là, en venant en France ? Il y a des grosses différences entre la Belgique et la France. Bah oui. T'es riche là ? Non, pas encore. Tu rigoles, non ? Non ? Non, non, pas du tout. Mais plus riche qu'avant. En tout cas, je peux rêver d'être riche un jour. Ouais. Peut-être, avec beaucoup de chance. Tandis qu'avant, ça m'était pas. T'as multiplié ton salaire par 10 au moins, non ? On peut espérer, vous êtes riche, non, tous ? Ouais. Ton mari est en Belgique ? Ouais. Tu es plus à l'aise. Bruno ? Son mari est en Belgique. On parle ici. De choses sérieuses. J'ai vu son mari. Parle de tu mon connais mari. Son mari. Oui. C'est qui? J'ai vu parce qu'elle a tourné il n'y a pas tellement longtemps au studio Gabriel. Ah oui, tout à fait. Tu sais, j'ai mémoire d'éléphant. Vous êtes venu me voir gentiment voilà. Dans ma loge. Et il y avait un monsieur, j'ai dit qui est ce monsieur et tu m'as dit je te présente mon mari. Tout à fait. Non, mais en général, les filles qui commencent la télé ou le cinéma ou la chanson changent de mari dans les 6 mois. Tadéhi, j'adore. Artistiquement, Tadéhi, il a des théories. Tu connais pas Guido, c'est vrai aussi dans la vie. Tadéhi, il a des théories surtout. Il a des statistiques, Tadéhi. Tu l'as connu après que tu as commencé la télé? Je l'ai connu, ouais. Et ben voilà. Attends, quand tu es à Paris, tu habites où? À l'hôtel. Lequel? Je suis à l'hôtel. Excuse-moi, non, c'est vraiment des conneries. Pourquoi je suis à l'hôtel? Pourquoi t'es à l'hôtel? Parce que j'avais pas envie tout de suite. Hein, parce que si tu veux, Thierry, il a un studio au-dessus, il peut t'héberger. L'autre est arrivé de Suisse il y a 10 ans. Ce studio, mais c'est là qu'il m'a hébergé. Il a même hébergé. Il y avait des post-it aussi. T'appelles ça hébergé, toi? Oui, ils essaient de nous faire croire qu'ils n'ont pas couché, oui. Non. Mais je vous assure que non. On n'a jamais couché à l'hôtel. Non, jamais. Tu sais pourquoi on ne connaîtrait pas la chambre d'en haut? On en parle beaucoup parce que c'est vrai qu'on aurait dû le faire. Voilà. Donc Thierry est un goujat. Non, mais enfin, tu voulais pas. C'est mal élevé. Elle a dit non tout de suite. Bien sûr que c'est un goujat. À force de respecter, on insulte. C'est ça. T'as raison. À force de respecter, on finit par insulter. Mais je pense qu'avec Maïtena, j'ai été trop respectueux. Thierry, ne te fais pas chier, je vais le faire. Bruno, je vais le faire. Il est célibataire. Non, mais au-delà des blagues de potache à 2,50 €. Oui, mais les francs suisses. Oui, mais il est très dévalué par rapport à l'euro maintenant. Très honnêtement, je peux vous dire, Thierry m'avait prêté un petit studio qu'il avait au-dessus, et je peux vous dire que le matin, Thierry avait son... Regarde-le. Il fait genre Bambi quand la mère, elle meurt. Bambi. Non, attends. Le matin, il avait son croissant et ses journaux qui étaient amenés par Marion à l'époque, etc. Et un matin, je descends, il ouvre la porte, il me fait... T'es pas un peu rentré tard hier soir? J'ai fait oh papa! Je t'ai surveillé quand même! Cela dit, t'étais où? Trop mignon! Non, explique-moi parce que ça c'est. Parce que je suis en direct. Ouais. Et quand t'es en direct, et ça vous qui avez fait des émissions en direct pendant longtemps, dans l'oreillette, à l'heure où. On parlait à Thierry, ça, il en a pas fait pendant longtemps. Alors, je le dis pour ceux qui. Pour les tauliers qui ont fait du direct pendant des années, c'est quand t'as Danny Minogue qui arrive et t'as le gars dans l'oreillette qui te dit attention, il te reste 10 secondes, coupe là. Ouais. Regarde là sur la caméra 2, replace là, etc., etc. Pendant qu'elle me parle, on me parle. Tu sais qu'elle a la seule solution. J'ai trois mecs qui me parlent pendant qu'elle me parle. C'est de pas permettre de refuser l'oreillette. Je n'ai jamais voulu une oreillette. Comment tu fais avec le timing de la pub, par exemple? Je suis seul à décider. Comment? Il n'y a pas d'oreillette. T'as une montre et t'as une heure. Il y a un mec qui fait pub. Écoute les deux. Moi, pendant tous les primes, j'ai un mec dans l'oreillette qui dit coupe là, on s'en fout. On n'a pas d'oreillette pour ça. Moi, j'ai travaillé. Quand je te dis je vais faire une chaîne de yeux, c'est pour ça. C'est parce que ils savent faire. J'ai travaillé il y a quelques semaines. Avec le groupe pour lequel je travaille. J'ai travaillé pour eux, ils m'ont demandé de mettre une oreillette, j'ai refusé, je ne veux pas mettre d'oreillette. Sur l'ami, si t'avais pas d'oreillette, non. C'est une ancienne peau. Mais non. Attends. Non, mais c'est touchant ça. Michel, tu mets des oreillettes toi? Jamais. Ouais. Je vais te poser une question, Nikos. Comment tu arrives pour être toi, toi-même, alors qu'on te donne des tonnes d'informations et d'instructions pendant ton direct? C'était pour ça en direct, dès que tu arrives, ils te disent attention, la donne change.
C'est-à-dire qu'on n'a pas telle info, on n'a pas tel artiste, etc. Mais c'est pas avec un panneau. Un type qui te met un panneau. Non, j'ai pas de panneau. Il n'est pas bien le français. Ah, c'est ça. Je suis un peu métèque. Attends. Il vient de dire un truc qui est. Qu'est-ce qu'il a dit? Il dit que sur le 20h. Quand je faisais le 20h, j'avais deux oreillettes. J'avais le mec qui était sur place, le correspondant, et le mec de la région. Possible. Deux oreillettes, j'ai jamais fait, moi. Raconte par un. Raconte par. Pendant des années, j'ai été l'assistant, le grouillot, l'homme à tout faire de Zitron. Ouais. J'ai passé presque 10 ans avec lui. Dieu merci, il est mort. Bon. Le hasard a voulu que je sois son voisin, on était voisins de palier. Donc au bout de 6 mois, je découvre que je suis le voisin de la star des stars. Non, en 65, t'imagines qui était Zitron. Il y avait De Gaulle, Jean Gabin et Zitron. C'est vrai, non mais c'est vrai. T'imagines ce qui était Zitron. Le plus connu des chevaux de course. Eh bien, en plastichi. Les chevaux de course. Donc je rangeais sa voiture, je lavais sa voiture, je le conduisais partout, je faisais tout quoi. Je savais pas. Je faisais 7h du matin, minuit pendant des années. Comme quoi il n'a pas. C'est un esclavagiste un peu. Et je l'accompagnais parfois à Interville. Et un jour. Il trompait sa femme ou pas? Je m'occupais de tout. Je t'ai dit de tout. Théo Sarapo. Voilà. Moi, j'attends, je sais que... Et je suis... Il est au journal, le soir du tremblement de terre de Scoplié, qui est un des tremblements les plus terribles qui a détruit Paris. Je suis avec lui ce soir-là. Je lui tendais ses fiches, je faisais même les défilés de 14 juillet avec lui. Enfin, c'est un peu ce qu'il y a dans la chaîne. Et ce soir-là, il ouvre le journal. Mesdames, Messieurs, Scoplié. La terre a tremblé en Yougoslavie. 5 sur l'échelle de Richter, les premières images du drame. Tu te souviens de Zitron? Les images n'arrivent pas. Excusez-moi. Oui, c'est l'époque du téléphone. J'explique. Les images sont arrivées très tard à Orly, la technique, ce que c'est, etc. Immeuble, et je regarde. 1:30, 2 minutes, 2:15. Le temps d'une chanson interminable. Oui. Ah, les images sont là. Et il raccroche. Et je regarde et je vois qu'il n'y a pas de fil au téléphone. Il n'y avait rien. Téléphone de décor. Téléphone au théâtre ce soir. J'ai dit alors lui. Il sort du journal. Il avait trois notes. Il n'y avait rien. Je dis, monsieur Citron, vous apprendrez plus tard, mon petit. Téléphone de décor. Ouais. Inventé. Une histoire comme ça, je te raconte. Il est acteur aussi un peu. Il faut être aussi un peu joueur. Il faut être très acteur pour faire ce boulot, bien sûr. Bah oui. Ah, mais il n'avait pas d'oreillette, lui, toi. Interville. Toi, t'as une oreillette. Il y a un mec qui joue un téléphone en septembre. Interville. Prévenez les viens. Il reçoit une cacahuète dans Interville à Guilleux, qui est, c'est un document qui passe souvent. Rassurez-moi. Je ne vous entends pas, Guy. Alors, attends. Et moi, je suis à côté. Et je vois sur son écran de contrôle qu'il regarde son cadrage. Je ne vous entends pas. Prévenez les miens. Tout va bien. Tout va bien, il a rien à l'œil. Il avait une chose extraordinaire à RTL, c'est-à-dire qu'il mangeait pendant l'émission à la radio. Ah oui. Il mangeait pendant l'émission et il lançait un disque. Il disait, écoute, Gilbert Bécaud. Donc, Gilbert Bécaud. Il déshabillait un œuf, il bouffait son œuf dur et le type faisait, mais fin du disque. C'était Gilbert Bécaud, etc. Ah, c'est ça, c'était terrible. Et à la fin, il dit, hello, hello, appelez-on est là, il prenait une auditrice au téléphone, merci, au revoir madame. C'est extraordinaire. Et c'était surréaliste parce que c'est une époque vertigineuse. Quoi. La vie avec ces mecs-là, tu ne peux pas savoir ce que c'est. Pochette, et Dargé détestait. Pourquoi? Dargé avait été viré de la télévision parce que le soir des accords d'Évian, comme il est d'Algérie française, il n'a pas du tout parlé de l'accord. Il a terminé 62. Le journal en disant « Il s'est passé quelque chose à Évian, je vous renvoie à votre journal quotidien. » Sachant qu'il était viré, écoute bien ce qu'il a fait en direct. « Mesdames, Messieurs, bonsoir. » Au revoir, bonsoir, ou plutôt adieu, sachant qu'il était viré. Il s'est flingué en direct. Ouais. Viré, procès qui a duré 10 ans. Et pour gagner son procès, il a installé son bureau au 4e étage, devant le bureau de Zitron, qui l'a remplacé. Donc la haine, c'est Zitron qui a remplacé Dargé aux 20h. Et Dargé est en procès pendant 10 ans. J'adorais Claude, je bossais beaucoup avec lui. Et comme Dargé le détestait, et qu'il trouvait qu'il était trop servile avec le pouvoir, à chaque anniversaire de Zitron, il offrait un gilet rayé et du cirage. Et c'est moi qui devais aller acheter le gilet rayé et le cirage. C'est d'une violence. Oui, et Claude me disait, c'est Michel, comme Drucker, vous avez acheté le cirage, c'est l'anniversaire de Léon. Donc il lui offrait, Léon, tu vas recevoir le bis d'information ce soir, voilà ton gilet rayé et le cirage. Et Léon disait, tu n'es pas drôle. Tout était comme ça. Et un jour, Dargé adorait les chiens. Et Dargé avait un chien. Dargé, il avait un chien tout le temps avec lui. Et Dargé avait un chien comme Antoine, comme Georges de Gaulle. Comme vous. Oui, comme le chien de Gaulle. Mais oui. Il me lécher les pieds, d'ailleurs. Écoute, tu vas pas le croire. C'est une scène hallucinante. C'est une scène de film. Sidney Lumet aurait pu la mettre dans Network. Écoute bien.
Ce soir-là, Zitron reçoit pour la énième fois notre ministre de l'Information, qui était notre rédacteur en chef, je peux te dire, qui était perfide. Perfide, ça ne plaisantait pas à l'époque. Hein. Il fallait que le conducteur, que je tapais moi, soit au ministère de l'Information et soit sur le bureau du général à 19h30. On dirait Canal. Et je vous parle d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître quand même. Et quand le ministre de l'Information arrivait, le conseil des ministres, c'était le jeudi à l'époque, et pas le mercredi. On faisait le journal avec le papa d'Antoine, avec Georges. J'étais stagiaire au journal, moi. Avec le temps qui restait. Donc, on attendait qu'il ait fini. Il y avait le premier prompteur à l'époque qu'on écrivait pour Perfit. Et on voyait 7 minutes, 8 minutes, 10 minutes. Le général a donc dit, le général a décidé. On dit, tiens, sucré, sport, sucré, cinéma, sucré. Et souvent, tout le journal était sucré. Il ne restait que rien à la météo, quoi, tu vois. Parce qu'il a fait tout le journal. Bref, Darget détestait Zitron. Et Zitron avait un chien qu'il avait recueilli, le chien d'un maçon qui était alcoolique, le chien était un peu bourré d'ailleurs lui aussi. Le maçon est mort, il a recueilli le chien qu'il a appelé Larson. Et écoute ce que je vais te raconter, parce qu'il y a des gens qui ont vécu ça avec moi. C'est que pendant 6 mois, Darget a dressé le chien Larson pour qu'il aille pisser sur la porte de Zitron. Et le chien était formidable, donc avant le journal, et nous on était là, Darget me dit, Larson, il était moins ça, et en général il le faisait au moment où Léon paniquait, allait se recoiffer dans les toilettes, moi je lui mettais son Bristol, il avait 5 minutes pour descendre au journal, il arrive au dernier moment. Et là, Larson, tu n'es pas drôle, disait Zitron. Et un jour, mais je le donnerai un milliard aujourd'hui, pour la caméra filme ça. Écoute, c'est que un jour, Darget, ivre de rage après Zitron, descend avec Larsouille, et Larsouille, en direct, dans le journal, vient pisser dans les godasses de Léon en direct. Et ça donnait ceci. Alors moi, j'étais à côté. Enfin, alors Léon était assis, présenté, et il secouait. Politique étrangère. Et nous, on disait, pourvu que la caméra se met. Il pisse en dessous, en fait. Mais il a arrosé pendant tout le journal. Voilà. C'est un autre monde. Je vous raconte une époque inoubliable. Et à l'époque, tous ces gens-là étaient payés quoi, des clopinettes, en plus. On était tous SMICA. Attendez, mais la véritable info, voilà, écoutez un peu les choses intéressantes. Vas-y maintenant. Je demandais à Michel quand il avait commencé. Non, Jean-Pierre, c'est Jean-Pierre. Michel, c'est le monsieur âgé à droite. Moi, je suis Jean-Pierre. Toi, tu travailles où ? Moi, je suis Jean-Pierre. Moi, je travaille à l'ORTF. Michel, c'est lui qui a les déambulatoires et lui, c'est lui qui a. Mais il faut quand même nous parler fort à tous les deux. Alors, qu'est-ce que tu disais ? La blonde te demande ! Oui. C'est pas vrai. Non, il a des théories. Non, mais c'est vrai, t'as des théories sur à peu près tout. On croit que je les invente pour le plaisir, mais pas du tout. Est-ce que t'as une théorie sur la Starac, par exemple? Ouais. Ah non, ça y est, on va attaquer. Qu'est-ce que tu penses? Non, c'est pas pour attaquer, c'est parce que ça m'intéressait énormément. Moi, j'ai une théorie sur la Starac. Non, attendez, c'est pas pour attaquer, mais on peut quand même parler de la Starac sans que ça soit un crime de lèse-majesté. J'ai fait aussi la Star Academy. Frédéric Tadé. Une théorie sur la télé en général. Il y a une théorie sur tout, Tadé. C'est qu'au départ, qui étaient les stars? C'était des gens qui avaient accompli de véritables exploits. C'était Bonaparte, c'était une star. Énorme. C'était le docteur Livingstone, c'était Guinmer. Voilà. Ensuite, le cinéma a inventé les stars qui mimaient les exploits de ceux qui les avaient vraiment commis. C'est vrai. Tu vois, c'est-à-dire que, voilà, tout à coup, on prend un type qui était obligé de l'incarner, donc il était obligé d'être réaliste quand même. C'est Pierre Fallet qui joue Monsieur Vincent, oui. Voilà, il incarne la star, donc on prend John Wayne, on se dit, ouais, John Wayne, il pourrait bien avoir accompli des exploits, mais on oublie qu'en réalité, les exploits qu'il accomplit, c'est pour de faux. Il fait semblant qu'on lui tire dessus avec des balles à blanc. Donc le cinéma a déjà inventé. Mais en fait, c'était quand même des surhommes, c'était quand même des mecs qui nous impressionnaient, mais ils ne faisaient qu'incarner l'exploit que d'autres avaient commis. Après, on est descendu d'un cran avec la télévision et on a eu Michel Drucker ou Jean-Pierre Foucault qui sont monsieur tout le monde. C'est-à-dire, ils nous ressemblent. En gros, c'est plus des surhommes. Excuse-moi, je fais une parenthèse. C'est vrai que la plupart des animateurs qui ont réussi à la télé sont des gens qui sont issus de la petite bourgeoisie. Quand tu viens d'une classe sociale trop élevée, tu n'as pas le contact avec les gens. Et quand tu viens d'une classe sociale trop lumpen prolétariat, tu n'as pas le contact non plus. Continue, Frédéric. On est passé du surhomme à monsieur tout le monde. Donc ça, c'est l'apport de la télé. Et ensuite arrive la télé-réalité. Et là, tout à coup, on prend comme star des gens qui sont, en gros, on va dire, c'est l'idiot du village. C'est-à-dire, c'est l'inférieur. C'est-à-dire que c'est celui qui, normalement, on l'invitait au bistrot du village. On lui dit, allez, raconte-nous des histoires cochonnes. Il nous montrait son cul. C'est le stade suivant, l'idiot du village. Non, on y est dans le... Je fais de la télé-réalité. Je fais de la télé-réalité. Mais c'est très intéressant. C'est-à-dire qu'on est passé du type qui faisait des vrais exploits au surhomme qui les mimait
à Monsieur Tout-le-Monde, à l'inférieur, normalement, on lui payait un coup pour qu'il nous raconte des histoires idiotes et qu'il nous montre ses fesses. Et bien maintenant, c'est le loft. C'est, alors, voilà. Et c'est certaines être... séquences de Paris Dernière. Tu crois pas que ça peut être plutôt avant... Mais moi, je les rencontre par hasard. Je leur donne pas rendez-vous. Tu crois pas plutôt que c'était avant où on se parlait autour de la fontaine sur la place du village Attends, j'ai fini. Non, j'aimerais casser ma théorie, Thierry. Je te demande d'intervenir. Maïtena, ta théorie. J'adore ma théorie. Alors, donc, tu crois pas plutôt que c'est... Les gens se parlaient avant autour de... Tu vois? Et après, il y a eu la radio. Donc, on allait écouter la radio chez celui qui l'avait. Et on discutait après ensemble. Et après, il y a eu la télévision. Et plus personne ne se parlait parce que tout le monde regardait sa télévision. Jusqu'au jour où les gens ont réinventé la place du village à l'intérieur de la télévision. Je suis d'accord avec toi, mais je crois pas que ce soit Love Story qui fait la... Bien que ça l'ait fait aussi, mais c'est pas eux qui l'ont inventé. Qu'est-ce qui... Attends, ça, j'écoute dans l'oreillette. Ça, c'est Dallas. Théorie, donc... Ça, c'est les séries américaines genre Les Feux de l'amour. C'est-à-dire, Les Feux de l'amour, ça permet de réactiver cette passion ancestrale qu'on a pour le commérage. C'est-à-dire qu'effectivement, autrefois, sur la place du village, on parlait de monsieur machin qui couchait avec madame Attel. Se parler tout court. On se parle. C'est-à-dire que l'avantage des Feux de l'amour, c'est que la mère qui habite Dallas, elle téléphone à sa fille qui habite Détroit. Ouais. Et elle a un sujet commun de conversation. Elle peut commérer sur Dallas ou sur les Feux de l'amour. Tu fais confusion parce que tu dis on commère sur Love Story et t'as montré Nikos. Ça, moi, je trouve que. Non, mais c'est vrai. Ça n'a rien à voir entre Love Story et Star Academy. À mon avis, ce sont deux. Love Story, tu regardes les gens en train de s'emmerder. Moi, personnellement, ça ne m'intéresse pas parce que j'ai pas envie de regarder par le trou de la serrure, les gens prennent ça. Star Academy, c'est pas la même chose. Star Academy, c'est très différent. Star Academy, bon, même si le mot Academy est un peu pompeux, on montre au télé... des neufs, non, mais on montre au public que ce métier qui fait rêver, ce métier de paillettes, c'est un métier. Star Academy, c'est le radio-crochet sophistiqué, 40 ans. À la différence près que le radio... Tu les vois baiser dans les... À la différence près, c'est que radio-crochet, on les voyait pas vivre. C'est ça qui fait la catégorie. Dans un radio-crochet, t'avais Lola Tambour, c'est une pute. Quoi qu'il en soit, voici Lola Tambour. Dans un radio-crochet, tu avais des gens avec des particularités. Là, ils sont tous pareils. C'est pas ils sont vrai. Tous. Ils sont tous choristes. Ça reste un concours de chant. Tu m'as dit tout à l'heure que tu n'avais pas vu l'émission. Ils sont pas je ne peux pas y échapper. Télé 7 jours fait sa une dessus. Et le zapping en parle tout le temps. Je ne peux pas y échapper. C'est des choses qui pourrissent mon cerveau. Parce que Michel, quand il recevait Patrick Fiori ou quand il recevait Céline Dion. Oui, oui. Sauf qu'on a une machine plus lourde. Je ne suis pas d'accord du tout avec ça. Quand j'ai débuté à Télé Dimanche, Thierry Leluron et Mireille Mathieu sont le résultat de Radio Crochet. Oui, mais c'est des Radio Crochets. Leluron et Mireille Mathieu ont des différences énormes. Alors que là, c'est une sorte de nivellement, c'est des choristes. Oui, mais je reste plus humble. Ils ont tous une très belle voix, une très belle voix de choriste, et on les apprend à faire rentrer dans un cadre. À chanter des reprises. Ils ont des reprises même pas. Des reprises même pas modifiées par rapport à l'original. C'est pas vrai, les plus grands ont commencé en chantant des reprises. Benabar, San Severino. Mais on peut écouter Benabar, on a la Star Academy. J'écoute Violet et je peux inviter Violet. Un artiste, c'est quelqu'un qui a une personnalité, c'est pas quelqu'un qui a une voix de choriste. Non, mais Nico. Ça t'honore, je vais te dire, ça t'honore de défendre Star Academy, Michel, plus humble. Ça l'honore de défendre Star Academy. Évidemment, je veux dire, pas les reprocher de ça. Thierry, je veux rester plus humble par rapport à ça. C'est qu'il n'y a pas de bon artiste ou de mauvais artiste. Qui on est pour juger? Peut-être que ce monde dans 10 ans... Je suis pour juger, j'ai les mêmes oreilles que tout le monde. Oui, mais c'est pas vrai. Depuis 3 ans qu'existe la Star Academy... Fiori a ramé au début, on l'a traité comme une merde quand il était jeune talent, etc. Mais non, c'est pas vrai. On forme pas un artiste du jour au lendemain, on forme une star du jour au lendemain. Et le pouvoir des médias s'essouffle très très vite. C'est très juste. Mais par contre, je pense qu'il y a là-dedans, il y a des gens valables aussi. Tout le monde ne l'est pas. Bruno, tu peux pas dire que tu n'aimes pas Star Academy dans la mesure où tu as dit deux secondes avant que tu ne regardais pas, que tu le connaissais via le zapping et les couvertures. Je ne vois que le résultat de Star Academy, c'est les gens qui en sortent. Si tu connais mal, il faut que tu prennes un petit peu de recul, je pense. Ce que je veux dire, c'est que même si tu connais mal, même si je ne regarde pas, que je ne suis pas scotché devant, il y a quelque chose qui est évident et que tout le monde voit, c'est qu'on forme des gens qui sont des choristes, qui ont tous une belle voix de choristes, qui n'ont aucune particularité, qui ne sont pas des artistes. Tout à fait, d'accord. On en fabrique des stars. On ne sait pas ce que deviendront ces mômes. On leur donne, on leur met le pied à l'étrier. On sait bien ce qu'ils vont devenir, des has-beens. Ça, c'est le discours convenu des gens qui disent les artistes, on ne peut pas les formater. Combien de stars que tu as aimées dans les années 70 ont vécu un an et tu écoutes le disque parce que c'est de bon goût de les écouter. Écoute, tous ceux dont Michel Drucker a dit, c'était une grande star. Quelques exemples. Si tu savais ce qu'on a écrit sur Montand à ses débuts. Si tu savais ce qu'on a écrit sur Aznavour à ses débuts, si tu savais ce qu'on a écrit sur Fernandel, sur Bourville, Johnny. Donc, il faut faire très attention. Il faut vraiment se méfier de flinguer des gars qui arrivent avec une petite chanson qui n'a pas d'intérêt, parce que ces mecs-là, le métier, c'est 98%.
de boulot et 2% de dons. Bravo. Bien sûr, tout à fait. Tu demandes à Aznavour de raconter sa vie. Moi, il est mon voisin en Provence. Je passe des étés et il me raconte, ses débuts. Tu ne peux pas savoir ce qu'il a encaissé. Tu ne peux pas savoir ce que Montand ne chantait pas en mesure. Il était mauvais acteur. C'était une catastrophe. Mauvais acteur. Mal habillé. Eh bien, je peux te dire que le père Montand, il a fini par tourner avec Marilyn. Il a fini par aller aux États-Unis. Il était encore mauvais, c'est après qu'il est devenu bon. Et il a fini par être un mec de showman, un showman extraordinaire. Quant à Aznavour, qui aura 80 ans au mois d'avril, c'est vrai. Chapeau. Est-ce que vous avez conscience, tous les deux, d'avoir depuis 15 ans une chance formidable? Oui, ça va. 10 mois, 10 mois. Mais t'imagines pas la chance. Mais ce que j'expliquais tout à l'heure. Mais nous, on a des chances à tous les niveaux. On a la chance, d'abord, on a eu la chance, et on l'a toujours, la chance de la liberté. Aujourd'hui, on l'a parce qu'il y a du public qui nous regarde et qui n'ose pas. Avant, on l'avait parce qu'ils aimaient ça. La différence, elle est infime. Non, moi, ils aiment encore. Moi, ils aiment encore. Non, mais toi, ils aiment encore. Mais, c'est-à-dire que ce soit France 5 ou Paris 1ère ou Arte sont des chaînes beaucoup plus intéressantes aujourd'hui en termes de programme que Canal+. Je travaille à Canal+, je trouve ces chaînes beaucoup plus intéressantes. Ça dépend de l'heure, ça dépend beaucoup du moment, plus créative. Ça dépend de qui est à l'antenne, ça dépend de tout ça. Bah, quand toi, je te regarde à l'antenne, ou quand je regarde Moati à l'antenne, ou quand je regarde, Calvi à l'antenne, je me dis que pourquoi c'est pas sur Canal, ça. Ouais. Et quand je regarde Chien sur Canal+, que j'aime beaucoup, je trouve que c'est plus fade. Et là, j'essaie de faire de la diplomatie. Et quand je regarde... J'aime beaucoup. Quand je regarde Berne sur Canal... Ouais. Quand je regarde Berne sur Canal, je me dis horreur. Ouais, c'est le mec qui se rapproche le plus de l'esprit. C'est que l'impertinence aujourd'hui à Canal, c'est Stéphane Berne. Voilà. C'est Stéphane Berne. Bah oui. Je me dis, bon, c'est France 5. Voilà, je me dis, c'est con. Sur France 5, il y a des gens plus impertinents, plus profonds, plus intelligents. Pourquoi ils ne sont pas chez nous? Je ne sais pas. La télé, elle a quand même baissé d'un cran parce qu'avant, quand il y avait Champs-Élysées, c'est une émission qui alliait le divertissement et la culture populaire, disons. C'est-à-dire, tu avais Jean Poiret qui sortait un film, il venait à Champs-Élysées. Tapie serait venu à Champs-Élysées avec ses quatre comédiennes. Je te vois très bien accueillir Tapie et ses quatre comédiennes. C'est-à-dire qu'avant, à 20h50 le samedi sur France 2, tu avais Champs-Élysées qui était une émission populaire, une émission de divertissement, mais avec des gens qui avaient écrit des bouquins. Alors, faisait passer des choses, ouais. Voilà, et vraiment, sérieusement. Et aujourd'hui, Tapie, qui encore une fois n'est pas le summum de la culture française, je vous l'accorde, mais parler de théâtre, parler de livres, parler de films... On le fait à 23h30. À l'époque de Champs-Élysées, on le faisait, enfin tu le faisais à 20h50, enfin à 21h. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, alors là, tu as maintenant des classements des films les plus comiques et des trucs comme ça, des classements partout. Mais si tu veux, et c'est là où ça a baissé. C'est-à-dire que j'ai pensé à toi quand j'ai reçu Tapie et les quatre comédiennes. J'aurais reçu Tapie tout seul, j'aurais pas pensé. Mais quand ils sont tous arrivés, j'ai dit, putain, c'est Champs-Élysées. Les émissions d'accueil n'existent plus à 20h50. C'est un peu de notre faute, mais c'est aussi énormément de la faute des maisons de disques et des artistes. Parce que qu'est-ce qui s'est passé pendant des années et des années? Venaient les artistes à 20h50, uniquement les artistes qui étaient en promo pour vendre quelque chose, pour la sortie d'un album, pour la première d'une pièce, pour un film qui sort mercredi, et ne venaient pas pour faire leur métier d'artiste. Et au bout d'un certain temps... le public, qui n'est pas idiot, et loin de l'être, s'est rendu compte que c'était en fait un supermarché. Ouais. Et qu'on venait lui proposer des trucs. Et petit à petit, il y a eu un désintéressement total du public pour ce type d'émission dite d'accueil. Et ça reviendra maintenant, peut-être. Pour qu'un chanteur vienne vendre un album, il va dans une émission parler de son album et pas chanter. C'est insensé. Ce qui fait qu'aujourd'hui, à 20h50, tu as des classements. Et ce qui fait que pour avoir une émission, disons... culturel, entendons-nous, au sens c'est très, très large. Ou sur le câble. Il faut attendre 23h. Il faut aller sur LCI, évidemment. Ou sur Paris 1ère. C'est-à-dire que ça, c'est un... Là, il y a eu, sans jouer les nostalgiques, et avant, c'était mieux. Mais c'est vrai qu'il y a quand même... C'est rétrograde, quoi. Je veux dire, on est allé en arrière. C'est vrai que c'est un contexte difficile. Et Jean-Pierre a très bien décrit ce à quoi on est tous, les uns et les autres, confrontés. C'est-à-dire que les invités, ils viennent quand ça les arrange. Et ils ne viennent pas pour faire de la télé, ils viennent pour vendre. T'as perdu. Yves, t'es d'accord que t'as perdu l'époque où un comédien. L'histoire de Maillan. Non, mais bien sûr, voilà. Carpentier. Les mecs venaient, ils ont fait des sketchs en hommage à Maillan Poiret. J'espère qu'ils feront la même chose pour Jean-Yann au mois de mai. Mais je veux dire, on a perdu ça d'abord. Ensuite, on a perdu Drucker, Champs-Élysées. Et aujourd'hui, il faut attendre 23h30 pour avoir des. Il y a aussi une autre chose, c'est qu'à force de voir des gens du spectacle. Venir faire de moins en moins de spectacles. Bah oui. Je pense que les gens du public ont eu envie aussi de passer derrière le spectacle. Ouais. Et d'où la télé-réalité. Les gens... Ça marche, tu sais très bien comment est vendu le système, comment est vendu le journal télévisé de TF1.
Le journal télévisé de TF1 est bâti sur l'émotion et pas sur l'information. Il est bâti comme c'est un show. Le journal télévisé de France 2, il n'est pas bâti sur l'information. Pareil. Ah, bah, Alain Juppé est délicieuse. Excuse-moi. Non, mais attends, S'il te plaît. S'il te plaît. France 2. Alain Juppé démissionne. Je répète, Alain Juppé s'en va. Bravo le service public. Pourquoi on vend de l'émotion? Mais si. Va voir tes patrons à TF1, ils vont t'expliquer exactement à quel moment, en 96, ça s'est passé, le séminaire, à quel moment il s'est passé le séminaire. Ils me l'ont expliqué. C'est des gens qui vendent de l'émotion. Pourquoi ils vendent de l'émotion? Un journal dure 40 minutes. Ils n'ont pas 40 minutes d'informations à te donner tous les jours. Ils commencent à te vendre des émotions qui t'ouvrent. Ensuite, ils te vendent des émotions politiques, elles passent toutes seules. Et ensuite, ils te vendent la pub qui te soigne. La pub, elle te soigne en te vendant de l'électroménager, des voitures, de la douceur. C'est que des théories. Ils sont faits. On a Guy Debord avec nous à table ce soir. C'est pas de la théorie, c'est des gens qui ont mis en place ce système consciemment. Ils le savent très bien. Ils l'ont mis en place en 96, c'est daté. Ce système-là a été mis en place, les gens, on les connaît, ils y sont encore. Pour certains, ils ont été virés ou ils sont venus travailler sur d'autres chaînes. Tu le fais consciemment. Tu le fais consciemment. Tu le fais consciemment. Tu fais un truc où tu dis « je vais baiser les gens qui me regardent ». Pourquoi je vais les baiser? Pour leur vendre ce que je vous disais tout à l'heure. Tous les soirs, il faut que je scotche le maximum de gens devant le même programme en je même temps. Je ne défends pas TF1, je dis simplement qu'il est facile de dire « vous baisez, les systèmes sont pourris ». C'est facile, c'est snob. C'est pas facile. Fais-le alors si c'est facile. Non. Si c'est facile, non, je t'encourage à cracher dans la soupe et je t'encourage à dire les choses que tu sais. Mais pourquoi cracher dans la soupe et pourquoi dire à tout prix que tout est pourri et que tous les systèmes sont pourris? Mais je ne dis pas que les systèmes sont pourris, je t'explique le système dans lequel tu travailles. Je t'explique le système dans lequel tu travailles. Peut-être que tu ne le sais pas. Claire Chazal ne sait pas dans le système dans lequel elle travaille. Elle ne sait pas. On est tous. Claire Chazal, elle est persuadée d'être une grande journaliste. Oui, non, je propose qu'on passe à la sexualité de Virginie. Parce que là, on s'enlise. Il y a des choses à dire, Maïtena. Il y a plein de gens qui m'ont des proches, me manquent terriblement. Le Luron me manque terriblement. Mais même Dassin me manque. Ouais. On a fait des émissions magnifiques avec Dassin. Schneider me manque, Ventura me manque. Claude. Jean Poiré me manque. On a des souvenirs incroyables. Michel. La liste, elle est terrifiante. Tu sais, Michel. Tu vois, il me manque beaucoup. Michel, c'est vrai. Tu sais pourquoi je ne ferai pas que de la télévision? Parce que tu as déjà fait avant moi. Wow. Je reprends, parce que ce soir, tu me donnes un vrai coup de vieux, parce que tu me ramènes 40 ans en arrière. Et puis, il y a des images comme ça. Il y avait Jimi Hendrix dans ma loge un soir, qui était bien aussi, qui était ailleurs. Qu'est-ce que tu veux faire? C'est ce que je te dis. Alors, qu'est-ce que tu veux faire après, Drucker? J'étais avec Jimi. Je suis 20. Jimi Hendrix est là, bon, très bien. Mais dans une autre loge, il y a un gars, c'est une histoire incroyable, inconnu, qui vient faire une chanson, j'étais à peine plus connu que lui, j'étais terrifié. C'est une émission avec Michel Arnaud, productrice très très dure, mais le métier rentrait avec elle. Et il y avait un mec, un gallois balèze comme ça, comme il était inconnu, il faisait qu'une chanson, on l'a mis dans ma loge. Bon, alors, il était là. Et puis avant de rentrer en scène, sa chanson, je le vois qui bourre son slip de coton. Tu sais, il croit qu'il est hyper moulé, hyper burné, Presley quoi. C'était Tom Jones. Donc, je connais Tom Jones dans des circonstances particulières, puisqu'il m'aidait à lui remplir son caleçon de coton. Les années ont passé, il a fait Vegas, il a fait tout ce que je le revois il n'y a pas tellement longtemps, il était chanté Sex Bomb. Et à chaque fois que je le vois, je lui dis Do you remember? Il a fait des boulots, à un moment, tu faisais des photos sur les plages, hein, c'est vrai? Moi, j'étais moniteur d'enfants. Il a tout fait, moniteur d'enfants. J'étais moniteur d'enfants. C'est le raté, lui. Hein. J'ai été photographe de plage, Sable d'Olonne, pendant 3 mois. Mais j'ai des couplets légitimes. J'ai été viré parce que c'est à l'époque où tu faisais une photo, tu donnais un petit ticket, puis tu allais chercher ta photo à la fin des vacances. Et là, au bout de 8 jours, on m'a lourdé parce que tous les couples que j'avais photographiés étaient des couples illégitimes. Donc le mec venait réclamer le négatif, le petit con, tout d'abord. Mais j'étais homme de ménage à Orly. Nettoyer les Boeing et les avions. Et tu piquais le Bordeaux qui restait. Oui, exactement. Je m'étais bien renseigné, absolument. Et puis à l'époque, c'était du bon Bordeaux, il faut dire. Oui, ça a changé. Ce que je te raconte, c'est très, très ancien. Et j'étais le seul Français blanc. Il y avait déjà plein d'immigrés venus chercher du boulot à Paris. Il y avait beaucoup de petites Lilies qui venaient des Somalies, comme dans la chanson de Pierre Perret. Et j'avais ma petite armoire métallique dans les sous-sols à Orly, avec ma petite blouse, j'avais mon Solex, et j'ai appris beaucoup, beaucoup de choses. Moi, j'ai fait beaucoup de petits boulots, entre 17 et 18 ans, 19 ans. Si tu n'avais pas fait de la télé, tu aurais fait quoi? Médecin. Je voulais remplacer mon père, je voulais être médecin.
Mais il fallait faire des études, là. Exactement. Donc, j'ai été lourdé très tôt. J'ai fait mon père, qui était un très bon médecin, mais mauvais médecin avec ses enfants, enfin, comme les cordonniers les plus mal chaussés, pas très patient. Comme il ne comprenait pas, alors que mon frère était tellement brillant, Jean et Jacques également, il ne comprenait pas, donc il m'a envoyé chez une psy. Mais le problème, c'est que j'ai tout de suite senti que la psy était sa maîtresse, donc il faussait un petit peu les choses. Et elle m'a fait faire des tas de tests à la con, comme ça, et puis... Elle est revenue en disant, voilà, il est inapte à tout effort intellectuel. Donc il fera de la télé. Donc il faut... Non. Regardez, une professeur Manuel. J'avais 14 ans. J'avais 15 ans. Et comme mon père n'avait aucune patience, il a dit à ma mère, ben voilà, inapte à tout effort intellectuel, il y aura un Manuel dans la famille. Comme il n'a aucune patience, alors voilà. Boulanger. Boucher. Non plus. Je vois pas. Mousse. Marin. Mais si tu pouvais me barrer. Marin, allez, marin. Allô, il a appelé l'école des mousses à Brest. Ouais. On a reçu le formulaire, on a rempli, moi j'étais content. Puis au dernier moment, je dis, merde, je suis malade en mer. Sinon, j'aurais peut-être été marin. Ouais. Mon père ne pouvait pas supporter qu'un de ses enfants puisse pas faire de grandes études. Et après, t'en trouvais un stage à Cognac, c'est ça? Non, après, j'ai fait tous les petits boulots à Paris. Et puis j'ai terminé mon service militaire à Boulevard de la Tour Maubourg. Ouais. C'est comme un film de Lelouch, parti, revenir. Et j'ai terminé mon service militaire à Boulevard de la Tour Maubourg. J'ai posté le courrier du colonel au lieu d'aller à la poste de la rue Claire par la Motte Piquet. J'avais remarqué qu'en descendant la tour Maubourg, en prenant la rue Université, j'arrivais derrière la rue Cognac G. Et là, en postant le courrier, je croisais chez Lafont, le café où je suis toujours, d'ailleurs, le fameux café. Croisais Léon Zitrone qui répétait son texte dans une simcamille. Exactement. Et je croisais toutes les stars de l'époque. Et un jour, il y a une dame qui connaissait mon père un petit peu, qui m'a obtenu, non pas un stage, de visiter la télévision. Ouais, ouais. Et c'était pendant les Jeux Olympiques de 1964 et les Jeux Olympiques de Tokyo, avec les images qui arrivaient du Japon. Et puis je me suis retrouvé là. Et puis je me suis dit, alors là, c'est l'intuition, c'est pas l'intuition incroyable. Il ne faut pas que je sorte. Il ne faut pas que je sorte de cet endroit. Donc le 3 ou 4e jour, j'ai donné la pièce à la femme de ménage. Il n'est pas sorti depuis 40 ans. Et qui m'a laissé, et qui m'a enfermé. Donc je suis resté enfermé. Et j'ai couché donc sur les toits de Cognac G, sous les coupoles. J'habite en face maintenant, c'est pour ça que c'est un film de Lelouch, ma vie. Et puis là, avec un copain, on se disait, qu'est-ce qu'on va devenir? Lui, qui était monteur, il disait, moi, je serais Philippe Aki, c'était Michel Lafont. Il me disait, je serais Albert Reissner ou je serais Guy Lux. Et c'était il y a 41 ans. Quoi. Dans ta vie, il y a beaucoup de coïncidences. C'est pour ça que je te dis que c'est un film de Lelouch. Ouais, il y a beaucoup de coïncidences. Quand on regarde un peu ce qui s'est passé pour toi... Et je ne sais pas, mais moi, ma vie, elle s'est jouée dans un périmètre d'un kilomètre carré. Mmh. C'est-à-dire, le service militaire, Compiègne, ensuite Paris, je monte la garde boulevard Victor dans l'armée de l'air et je suis, tous les jours, je suis aux Invalides, à la revue TAM, Terre et Mer, ancien Tunisien Maroc. Et je poste le courrier, là, la suite tu connais. Mais ce qui est extraordinaire, c'est que dans ce quartier-là, à 200 mètres, habite 37 avenue Bosquet, une jeune femme que je connaîtrai plus tard, qui est aux États-Unis et qui est l'épouse de Maurice Jarre à l'époque, puisque Jean-Michel Jarre est le demi-frère de ma belle-fille, puisqu'ils ont eu le même père. Elle est là. Je ne sais pas qu'elle est là. Je suis quelques années au Sables d'Olonne où je suis photographe de plage. Je t'ai raconté ça tout à l'heure. Et son grand-père habite les Sables d'Olonne. Ouais. Ensuite, je vais habiter Place Clichy. Elle est également Place Clichy, mais je ne le sais pas encore. Et quand je vais la rencontrer, je la raccompagne chez elle. Je la raccompagne dans le quartier que j'habite maintenant. Et la boucle sera bouclée. Quand tu sauras que j'habite maintenant devant le bureau de Pierre Sabag qui m'a reçu quand je postais le courrier, il y a 42 ans. Et j'habite maintenant là et ma chambre à coucher donne sur mon premier bureau. Ouais. T'as pas envie de sortir? T'as pas envie de t'évader? T'as pas envie de t'évader? Et comme j'ai passé 8 ans à RTL, 4 ans à Europe 1, toute ma vie est dans ce rectangle, ce périmètre. C'est très étrange, hein? Une artiste contemporaine et qui a demandé peut-on être féministe avec une bite dans la bouche. Et là, c'est une vraie question. C'est une vraie question sur laquelle on peut réfléchir pendant longtemps. Et à mon avis, et là il y a une vraie frontière. T'as des tout le monde. Non. T'as du pote au moins 500 fois par jour, c'est « Hé, c'est le dernier mot ?» Moi, c'est « À quel âge tu t'es fait enculer pour la première fois ?» Que t'as repris d'ailleurs un soir. Ouais. Serge, tu nous regardes. Ouais, bien sûr. Moi, c'est non, ça. Toi, t'as Michel, fait un truc. Tu nous regardes. Il a fait un truc, moi, c'est Gainsbourg. Serge, tu nous regardes, oui. Je le fais sans arrêt. C'est commencé, là, ça. Ouais. Moi, ce qui m'étonne, c'est la première fois que je dîne avec des gens de télé qui parlent pas de Bataille et Fontaine. Bon, il y a toi qui en parle. Non.
Non, moi jamais. On a dit gens de télé. Tu sais, Nikos, c'est une drogue. Je vais te dire, Nikos, moi j'ai essayé. J'ai essayé l'acide, les champignons, la cocaïne, l'héroïne, l'huile, tout. Mais la plus grande, la dope la plus forte, c'est la télé. C'est la télé. C'est la drogue dure. C'est une drogue dure parce que c'est, tu t'arrêtes, tu meurs, ouais, c'est une drogue dure la télé. Donc voilà, on arrêtera sûrement. Franchement Thierry, tu penses pas que si t'avais du talent, tu ferais autre chose? En tout cas, c'était un plaisir. Ça fait plaisir de passer. Indépendamment de l'émission, c'était un plaisir. C'était très bon en tout cas. On va faire Michel, on va faire une photo et on s'en va. Ce que je trouve gonflé, c'est les 4 joints qui a roulé Maïtena, l'air de rien. Ouais, non, c'est pas des joints. C'est pas de mon côté en tout cas. Non. Là, y a rien. Si oui, voilà, c'est ça. Voilà. Quand il est comme ça, il est formidable, Thierry. Ouais. C'était chouette. Il était très content, là. Il était super. Il avait l'air heureux, non ? Ouais. Super heureux. Non, il est super content que tu sois venu. Oui. Il m'a appelé 15 fois pendant le week-end. Est-ce que tu es sûr que Michel va vraiment venir ? Quand je promets, je viens. Et je suis arrivé en temps voulu parce que j'avais un rendez-vous avec Thuram qui a annulé. Sinon, il y a Thuram qui venait après l'émission. Ouais. Donc, on travaille sur l'émission. Et puis, comme ils ont pris 4-0 en championnat d'Italie. Hein, oh là, j'ai vu contre la Rose. Ils ont pris une trempe. Le coach leur a dit non. Non, non. Ton livre, il attendra. Et pour être sûr de ne rien rater de Inarditude, abonnez-vous et mettez un pouce bleu.